à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous garnir d'une petite story time. Les story time, c'est la chose qu'on me demande le plus. J'ai lu vos DM, ne vous inquiétez pas, et du coup, j'ai décidé de me lancer dans cette histoire, plutôt ce cauchemar que j'ai vécu à cause d'un date sur Tinder. Je vais essayer en fait de vous donner des conseils par rapport à mon expérience pour éviter que vous vous retrouviez dans la même situation que moi, qui était absolument un carnage. En tout cas, on y va. On se lance tout de suite, je perds pas de temps parce que là je sens que ça va être un moment un petit peu effroyable. Je vais devoir revivre toute cette histoire là et ça me monte déjà au cou. Cette histoire, je l'ai vécue en septembre. J'avais déménagé déjà depuis un mois sur Lyon pour mes études. Et faut savoir que mentalement, par contre, ça n'allait pas du tout. J'avais énormément de remontées, de traumatismes, de souvenirs, pratiquement tous les jours où je pleurais pendant des heures et des heures. Et vraiment, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas. J'avais des troubles alimentaires, alors je n'avais jamais eu de ma vie. Mais malgré tout, il y avait une chose qui me remontait énormément le moral, c'était que mon meilleur ami habitait à 15 minutes de chez moi. On faisait des soirées poker, on jouait au poker, on prenait des bouteilles, on se buvait des coups chez moi, etc. C'était trop bien. Le samedi, juste après la rentrée, pour décompresser un peu, je suis sortie dans des bars à Lyon pour boire des verres avec un groupe de potes et je rencontre un mec dans le fumoir. Le fumoir, dans ce bar-là, c'est un peu la zoiverie, franchement, il se passait toujours des dingueries à chaque fois. Je rencontre ce mec avec son groupe de potes qui parle de LOL, qui joue à LOL, qui veulent que parler de LOL. Il était 2h du mat, tout le monde était bourré, j'ai envie de vous dire. Donc je parle avec eux parce que moi aussi, je jouais à LOL, bon, j'ai déjà joué, etc., j'aime bien. Il part sur un délire avec ses potes où il dit qu'il adore le caca. Il dit ça, ouais, nous on bouffe du caca matin, midi, soir. Du coup, je rigole avec eux, je rentre dans le délire, machin. Et donc, ce mec-là qui me dit qu'il adore le caca et qu'il joue à LOL, on parle de fou, on a un feeling de dingue et je suis en mode, wesh. Première fois que je rencontre un mec dans un bar qui m'a l'air cool, quoi. Puis après, il s'en va et moi j'étais un peu deck parce que j'ai pas osé lui demander son Insta et même lui, il m'a pas demandé le mien. Après, c'était pas vraiment le mood, quoi, mais j'étais un peu en mode, ok. Ça m'est resté dans la tête parce que quand on parle à plusieurs gens dans une soirée et qu'il y en a une avec qui ça sort un peu du lot, ça reste dans la tête. Le lendemain, dimanche, je fais mon petit ménage, mon meilleur pote vient chez moi et je raconte cette anecdote-là du mec qui adore le caca. Quelques verres s'imposent et après ça, on se dit « Viens, j'installe Tinder et on rigole un peu sur l'appli des mecs qu'il y a, etc. » Avec mon meilleur pote, on était plein anti-hommes, on voulait que critiquer les hommes, donc on s'est dit « Vas-y, on installe Tinder et on se la raque sur les hommes. » Et là, je lui dis « Non mais t'imagines, je rencontre le mec qui adore le caca. T'imagines, je le retrouve sur Tinder et tout, c'est un truc de dingue, tu vois. » Tout se passe bien, on rigole, machin. Et là, je tombe sur la biographie d'un mec, je regarde même pas sa photo, qui dit « Master 1 sur League of Legends ». Et je suis en mode « Je sais pas si c'est Master 1, mais c'est Master. » Apparemment, c'est baiser de fou d'être Master sur League of Legends. Ça se trouve, il connaît le mec au caca. Je le swipe right immédiatement. Je regarde même pas sa photo, je me dis juste « Il faut qu'il me matche pour que je puisse lui demander s'il connaît le mec au caca. » Mon meilleur pote part, je pars prendre ma douche, je reviens sur mon tel et là je vois que ce mec m'a match. Et là, je lui dis direct, je lui envoie un message, je lui dis « Est-ce que tu connais le mec au caca ?» C'était ma quête. Et là, il m'envoie un pavé énorme où il fait l'éloge du caca, etc. C'était un copier-coller d'un mème un peu sur internet. Et du coup, je lui dis « Mais est-ce que t'aimes le caca toi aussi ?» Il commence à partir dans la discussion et moi aussi, je me dis « Bon, je vais peut-être vérifier quand même à quoi il ressemble. » Parce que là, je vois sa photo et je suis en mode Pardon. Il était extrêmement beau. C'était le plus beau garçon que j'ai eu dans mes conquêtes. Désolé mes ex, vraiment désolé, vous étiez tous beaux. Mais lui, oh, c'était un stade au-dessus. Et il faut savoir qu'en plus, je suis anti-blonde de base. J'ai jamais eu de l'attraction pour un blond. Dès que la personne était blonde, pour moi, c'était un stop immédiat. J'ai été énormément traumatisée par les blonds quand j'étais petite. Et lui, quand je vous dis qu'il était blond, mais bon, mais d'un blond, frère, d'un blond, ça m'a pas arrêté. Pour vous dire, ça m'a pas arrêté. Moi, je crois que leur fille est blonde, il y a un truc qui va pas. Le mec ressemblait à un prince. Et on va l'appeler David pour cette story time. Vous saurez après pourquoi je l'ai appelé David. Et en fait, feeling de dingue. Mais feeling de dingue. C'est-à-dire que je me tapais des barres. Beaucoup de rires, beaucoup de blagues, beaucoup de sarcasme. C'était mon humour à 100% ce mec. Je pense qu'il y a personne d'autre qui a su correspondre autant à mon humour. Vraiment, le feeling était tellement dingue que pour la blague, j'ai dit « Non mais viens, on se marie, quoi. Viens, on se marie, qu'on passe la cinquième tout de suite, quoi. » Et il me dit « Mais viens, au pire, demain, on se voit. » Ça part très vite, ça part très vite. Le date a été fixé en une soirée. Hein. Le lendemain, on reparle toute la journée, on s'envoie des photos, machin de ce qu'on fait, etc. Et vient le moment où le date arrive. 23h dans le parc de ma résidence. J'avais ça dans ma poche. Une bombe à poivre et un taser. Premier conseil, c'est ayez des moyens de défense. C'est pas une blague. Alors oui, on frôle pas l'agression à tous les coins de rue, mais moi je peux vous dire, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il y a des moments où j'aurais bien aimé avoir ça sur moi pour me défendre. Et je vous jure que le taser, ça fait peur. Hein. Ça fait du bruit. Hein.
Non, il est vraiment très fort. Hein. Il me prévient qu'il arrive dans 2 minutes, etc. Et là, il me prévient qu'il est là. Et là, je le vois, il est exactement comme sur ses photos. Et de prime abord, il est un peu froid. Mais je pense qu'il était juste timide en vrai. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur mon profil Tinder, j'avais mis « Je ne cherche pas de sérieux ». Tout simplement parce que, je vous le rappelle, de base, j'avais installé cette application pour faire des blagues à mon pote, pour qu'on rigole ensemble un dimanche soir. Que je voulais juste rigoler, en fait, de base, moi, sur cette application. Je voulais pas date un mec le lendemain. Et lui, il m'a dit qu'il cherchait pas de sérieux non plus. Donc, en fait, deuxième conseil, conseil le plus important de cette story time, soyez honnête envers ce que vous recherchez. Il faut savoir que pour ceux qui me connaissent, je suis une énorme romantique. Je vis tout par l'amour, je vis tout pour l'amour. Et donc, je voulais me prouver à moi-même que, ouais, je pouvais avoir des aventures sans attache. Il y a des situations dans lesquelles le test n'est pas à faire. Mais en fait, non. Ça fait pas partie de moi, ça ne fera jamais partie de moi. Je suis pas comme quelqu'un comme ça. Pas une vie amoureuse de kiffeuse en fait. Je suis pas une charo, je vis pas pour le cul non plus. Franchement, ça passe vraiment, allez, à 40 000 km derrière moi. À ce moment-là, je savais pas, mais Dieu merci, j'ai eu ça pour me rendre compte que ce que je recherchais, c'était des relations stables, c'était des relations amoureuses, c'était des relations qui comptent vraiment sur le long terme. Je fais ce date avec ce mec, ça se passe très très bien, on rigole, il me fait rire. Mais il me fait rire. Mais le but du sarcasme, c'est de pas rire. Donc il y avait un peu en essayer de ne pas rire aussi. Il est tactile et moi ça me dérange pas. Faut savoir que moi je suis pas tactile. Soit avec mes potes, mais pas du tout. Alors les potes c'est à 0%. Très 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 tactile avec ma maman, c'est tout. Et lui il était tactile avec moi et ça me dérangeait pas. Il fait des études de marketing. Enfin il m'a dit qu'il avait 20 ans mais au final il a 21 ans, bref. Et voilà, il aime faire de la muscu. J'entends quelqu'un qui m'appelle au loin. C'est une hallucination, je continue avec David. Et j'entends et tout. Et là, David me dit, attends, mais il y a quelqu'un au portail qui t'appelle. Je débloque là, je me dis, wesh, il est minuit 30 du bar, qu'est-ce qui se passe? Et c'est mon meilleur pote, il était en vélo. Écoutez-moi bien, il était en vélo. Tu m'as dit que t'allais m'envoyer un message pour me dire si tout se passait bien. Parce que j'étais tellement dans mon date que j'ai pas répondu à mon meilleur pote. Et il est venu. Oh là là, mais c'est quoi ce film de baiser? Bref, je reviens voir David et David, il est comme ça. Il est debout. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Il me dit, mais c'est quel type de meilleur pote qui vient te voir comme ça à minuit 30, genre? Je lui fais, bah, mon meilleur pote à moi, tu vois. Mais ton meilleur pote, il kiffe, en fait. Il était vla possessif, vla jaloux, genre. Et là, il y a mon radar à red flag qui a fait... En fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait un attachement anxieux. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 types d'attachement. Il y a l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé. Je vous invite à aller voir des vidéos sur ça parce que c'est super intéressant. C'est des schémas en fait d'attachement psychologique que tu peux avoir envers la personne. Ça peut t'en apprendre sur toi mais aussi sur le type de personne vers qui tu te diriges. Et moi, il faut savoir que je suis un type d'attachement anxieux et je vais très 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 souvent vers des attachements évitants. Des personnes qui rassurent pas, des personnes qui ne communiquent pas, des personnes qui évitent les discussions sérieuses, des personnes qui peuvent me mettre mal. Tout simplement. Quand j'ai compris que c'était un attachement anxieux, j'étais en mode oh, t'es comme moi, j'étais ensorcelée, qu'on se dise, j'étais ensorcelée. Se passe le premier bisou qui se passe très bien, j'ai fait la meuf, mais ça faisait franchement très longtemps que j'avais pas embrassé un mec. Bah ouais, je donne pas ma bouche à n'importe qui. Les dates Tinder, ça me fait trop peur d'attraper de l'herpès ou des trucs comme ça. Il a senti mon parfum, il a littéralement deviné le nom de mon parfum. Je conseille, si vous tombez sur un mec qui sait reconnaître les parfums de meuf, enfuyez-vous, hein. Mais même moi, je savais pas que c'était ça mon parfum. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, j'étais dépitée. Il commençait à pleuvoir, donc je lui dis, bah au pire, viens, tu montes chez moi. Je vous jure, à 100%, j'avais aucune idée derrière la tête. On se pose et on est sur TikTok. Il regarde mes livres, il était intéressé par la lecture aussi. J'ai l'impression que je convertis tous les mecs à la lecture, là, c'est gravissime. Genre, il a regardé ma bibliothèque, il m'a dit, oh, oh, mais t'as le livre de David Goggins. Oui, j'ai le livre de David Goggins, oui. Et à chaque fois que je parle à un mec qui voit que j'ai le livre de David Goggins, j'ai l'impression que j'ai sorti la carte de l'ancien. J'ai l'impression, ça y est, j'ai sorti le jackpot. Oui, j'ai le livre de David Goggins. Il y a quoi, en fait? C'est pour ça que je l'ai appelé David, parce que ce livre va avoir un impact important dans cette histoire. Et trop bien, mais ah, mais tu l'as en anglais en plus, trop bien. Je lui dis, mais si tu veux, tu peux le prendre. Et donc, il le prend. Bref, la soirée se passe très bien, on continue de rigoler, machin. Comment dire pour ne pas chauffer? Pour ne pas choquer ma mère, la température monte. Voilà. Vient le moment où il doit partir, donc c'est-à-dire à 3h du matin. Sachant que le lendemain, moi, je devais me réveiller à 7h. Donc si tu veux, j'avais déjà 3h de sommeil dans le coltard. Et donc au moment où il part, il me dit qu'il va avoir une semaine assez busy. On va pas se voir avant longtemps. Donc profite bien de tes dates Tinder, etc. Et amuse-toi bien sans moi. Espèce de gros bébé de merde. Arrête tes conneries, là. Toute démaquillée, toute décoiffée, y a rien qui va. Il me regarde dans les yeux et il me dit, t'es tellement belle. J'avais les yeux comme ça.
Il m'en faut très peu. Il m'en faut très peu. Mon conseil suivant, c'est faites attention au love bombing. Je me suis fait love bomber, les gens. Je me suis fait love bomber. Je me disais, ouais, bon, ça m'arrivera jamais. Tu sais que c'est faux, le mec, il te balance tout ça. Tu sais que c'est faux. Hier, c'était la journée de la femme. Je crois en nous, je crois en vous. Tenez-vous. Tenez-vous bien forte, toute seule, tenez-vous hein, face à ces énergies humaines qui vous bombardent d'informations que vous avez rarement entendues dans votre vie de manière aussi honnête de la part de la gente masculine, etc. Faites attention à vous. Mais juste mentalement, j'étais en manque affectif de fou, tu vois. Tout ça, ça a fait un truc chimique en moi où ça fait... Le mec, il a pris l'entièreté de mon quotidien en l'espace de 2 jours. Et c'est ça dont il faut faire très attention. Protégez-vous dans un sens, mais dans l'autre, protégez-vous mentalement aussi. J'étais trop mal pour avoir ces réflexes-là de protection. Ok, je mets mes distances, ça va trop vite. Bref, donc il part. Maintenant, je vais en cours, etc. Et l'après-midi, il m'envoie un message en me disant « Ouais, j'ai une soirée crêpe juste à côté de chez toi ce soir, donc si tu veux, je passe après. » Et je suis en mode « Mais Dieu, me bénis !» Je l'ai vu hier, je l'envoie ce soir. Mais dinguerie, en fait. Il me dit qu'il est en bas, je vais le chercher. Et pour me dire bonjour, il m'embrasse sur la bouche. T'es pas en couple avec la personne. Lui, il installe un rituel de bisous quand vous voyez. Ça me... Moi, j'étais pas d'accord avec ça. Ça allait au-dessus de la barrière de pas de sérieux, tu vois. Lui, il me fait un bisou quand j'étais comme ça. Il me fait la réflexion que, parce que j'étais en suite cycliste. Ah ouais, en suite pour un date. T'as vu ta gueule, chef? T'as vu ta gueule? T'es très beau, hein. Mais la tenue, on en parle? Merde. On monte et en fait, il s'est vraiment rien passé physiquement. Pratiquement pas. Franchement, il s'est pratiquement rien passé. On a juste traîné ensemble. Écouter de la musique, chiller sur TikTok, il est vraiment juste venu pour passer du temps avec moi. Chef, toi aussi t'étais pas complètement 100% clair sur ce que tu voulais en fait. Tu voulais une meuf de compagnie, c'est ça que tu voulais? Non mais dis-moi. Et on a vraiment rigolé et il y a eu un moment où il s'est arrêté de rire et il m'a regardé. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il ne croyait pas à ses yeux que j'étais drôle en fait. Il y avait rien de pas sérieux en fait, il y avait rien de pas sérieux. Et après ça, plus de messages. C'est là que je me suis dit, ok donc en fait il est pas anxieux. Ce mec, il est désorganisé. Mais dans quelle merde je suis foutue? Et désorganisé, c'est des personnes qui fonctionnent avec un attachement évitant, donc qui vont être froid, lugubre, et anxieux à des moments, demander des nouvelles, envoyer tout le temps des messages, etc. J'étais en mode, mais dans quoi je me suis foutue? Mon avant-dernier conseil, je pense, c'est suivez le premier conseil. Dans cette situation-là, où on veut pas de sérieux, il peut faire ce qu'il veut de moi. Bah ce soir, je te vois, je vais être là, je vais être réveillée jusqu'à 4h du bar, ou alors ne plus m'envoyer de message, et moi, je vais être comme ça, en train d'attendre qu'il me renvoie un message, justement. En fait, il peut faire ce qu'il veut de moi, et ça, je me suis dit, je suis pas son esclave. Et là, je me suis rendue à être son esclave, alors c'était lui qui me courtisait de base. Et là, c'est là que mes valeurs, ce que je voulais, est ressorti. Parce que c'était trop. Et là, il m'a vraiment manqué de respect. Et parce que j'étais aveuglée, parce que j'étais pas bien, j'acceptais ce manque de respect là que je n'accepterai plus jamais de la part d'un homme. Je lui ai écrit un message, je lui ai dit écoute mec, ça va plus le faire en fait. Encore t'es busy, tu vois, je t'envoie des messages, tu me réponds de manière chaleureuse, de manière gentille, même si tu réponds pas, ça aurait été tranquille, tu vois. Là le mec, même quand j'envoyais des messages, il répondait froidement, il répondait mal, il était mal poli, il était respectueux. Donc je lui ai dit et il me dit bah j'espère que tu te trouveras un journaliste de poche, parce que j'étais en école de journalisme. Tu me dis ça maintenant, moi je t'ai dit cette semaine que j'étais busy, etc. En fait c'est un phénomène de fou. Alors je me suis rendu compte que plein de meufs vivaient ça. Ils vont arrêter leurs conneries hein. Je sais pas d'où les mecs trouvent leur audace ces derniers temps, mais ça commence à devenir vraiment grave pour nous les femmes. Hein. Je peux vous dire que si un mec veut vous parler, il le fera. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas. Parce qu'il y a des hommes qui ont vécu la guerre, la Première Guerre mondiale. Ils étaient dans les tranchées et ils envoyaient des lettres tous les jours à leurs femmes. D'accord? C'est pas un petit mec dans son école de marketing qui va faire sa muscu tous les jours, qui va me faire croire qu'il est busy en fait. Parce que t'as beau être busy, tu trouves toujours du temps pour être tendre, doux et gentil face à la personne avec qui tu veux être. Il voulait juste pas être avec moi. Je l'ai trop mal pris parce que moi j'étais en mode mais t'es celui que je veux. Et lui il est en mode bah toi aussi mais il y a un problème en fait. Le problème étant quoi? Il me dit qu'il part à Taïwan et du coup qu'il peut pas du tout s'engager dans une relation sérieuse parce qu'il part en décembre. Bon. Je fais quoi avec cette information? Tu pars à Taïwan, ok, tu veux pas m'emmener? Non, je rigole. Et c'est là qu'il m'a dit, mais toi, t'as pas de sérieux, donc je pensais que t'étais pareil. Bah ouais, moi aussi je pensais. C'est ça que je lui ai répondu. J'ai pleuré des heures et des heures, je vous mets une photo de ma tête. Tout ce que j'ai ressenti là pour lui, ça venait de moi. Ça veut dire que j'ai la possibilité d'aimer de cette manière-là. C'est une force, quoi. C'est pas une faiblesse d'aimer autant, tu vois ce que je veux dire? Pleure pas parce que t'as trop aimé, pleure pas parce que tu te sens comme une merde. Non, tu devrais te sentir super fin. Et après, du coup, ma soeur, elle m'a dit, viens, on sort, on va boire un verre. Ça a extrêmement mal terminé. Je me suis mis une énorme race. Vraiment, je me suis mis une énorme race. J'étais en mode, allez, bah les couilles, c'est bon. J'ai fait un coma éthylique.
dire fuck mes limites parce que moi j'avais pas su en fait les affirmer avec ce mec là. Ne faites pas ça, hein. Dernier conseil, hein, ne buvez pas après une rupture amoureuse. Hein. Franchement, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'étais très très mal de base. Par message, il m'a dit il faut que je te rende ton livre. Je lui ai dit garde-le mon livre, je l'aime pas, je l'ai pas fini frère, garde-le, je n'aime pas David Goggins. Non mais vu que tu l'as annoté, ça va me faire penser à toi, je sais pas quoi. Je lui ai dit garde-le putain ton livre, je m'en fous, finis-le, laisse-moi tranquille. Il me dit non, faut que je te le rende. Je me suis forcée à ne pas aller le voir quand il m'a déposé le livre, donc il m'a déposé le livre, je l'ai pris. Moi, contre mon estime de moi en fait. Dernier conseil, si c'est le bon, il n'y a pas de question à se poser. Hein. La vie fait que parfois, voilà, deux âmes se rencontrent et ne sont pas faites pour partager un bout de chemin. Et c'est surtout pour s'apprendre l'une et l'autre certaines choses pour avancer. Voilà, non mais je suis poète en fait. Non mais c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses. Ça m'a appris à me battre contre moi-même. Et même si j'ai réagi un petit peu trop tard, j'ai quand même réagi. On peut m'applaudir. Vraiment, je me forge un caractère d'esprit. Hein. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Forgez-vous un caractère d'esprit de sorte à ne plus jamais vous faire mépriser. Mais moi, dès qu'il y a des sentiments en jeu, c'est fini. Tu me perds complet, quoi. Ma vie va beaucoup mieux. Je suis pas du tout apte à être en couple dans tous les cas parce que ça prend beaucoup de temps et j'ai pas du tout le temps pour ça en ce moment. Pas avoir de crush, n'avoir rien dans la tête, etc. Ça fait trop du bien. Après, je dis ça, mais un petit peu de charisme, un petit peu de piano, un petit peu de muscu et tu m'as immédiatement. Donc bon, en fait, je suis un peu facile. Ne vous inquiétez pas, je vais travailler sur ma force de caractère. Ça va le faire, ça va le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker ma cagnotte Litchi pour toutes les personnes qui veulent me soutenir financièrement. Mes réseaux sociaux, Insta, TikTok sont dans la barre d'infos. Abonnez-vous, commentez, likez pour référencement. Moi, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous!